Non. Moi, très très bien. Merci, ça fait plaisir de te revoir. Dieu fait grâce. On a eu de belles exhortations, des visions que le Seigneur a données. Et notre compréhension des Écritures change au jour le jour, au fur et à mesure que les jours passent. Gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre? Non, ça va? Oui. On va te donner le micro, merci. Bonjour. J'avais une question par rapport à 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 4. Ça dit, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Je me demandais quelle était la faiblesse du Seigneur. Enfin, je me demandais si c'était nous. Enfin, j'essayais de savoir en fait quel était le synonyme de la faiblesse en fait du Seigneur. Son humanité. Ouais. Il a dit dans Matthieu 27, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc, il a pris une chair de faiblesse, comme la parole le dit, une chair semblable au nôtre. Donc, sa faiblesse, c'est cette chair, justement. Il n'a pas été crucifié en tant que Dieu. Dieu ne meurt pas. Il n'a pas vaincu le diable en tant que Dieu. Il a vaincu en tant qu'homme, avec la puissance de l'Esprit de Dieu. Quelqu'un d'autre? D'accord. Est-ce qu'on peut prendre Ésaïe chapitre 50? Le verset 4 et 5. Ésaïe 50, 4 et 5. Père, nous bénissons ton nom pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci pour mes frères et sœurs, merci pour ton peuple. Seigneur, nous bénissons ton nom à cause de ton amour, Seigneur. Merci pour toutes nos pensées, Seigneur, qui te sont soumises au nom de Yeshua, nous te prions. Amen. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il l'éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur, l'Éternel m'a ouvert l'oreille, je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. Je peux même continuer jusqu'au verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Amen. Tout au long des interventions des uns des autres, le Seigneur me mettait des pensées que je voudrais partager un peu rapidement avec vous pour nous exhorter, nous encourager. La première pensée, c'était sur le réveil. En fait, beaucoup de chrétiens comprennent mal le réveil. Et hier aussi, on l'a mal compris. Qu'est-ce qu'un réveil? Qu'est-ce que le réveil? Et le réveil n'a pas commencé aujourd'hui, hier. En fait, quand on va dans Genèse chapitre 2, il est dit au verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Donc, c'est là qu'on voit la première intervention de Dieu concernant le réveil de l'homme. L'homme a été créé étant mort. Il n'a pas été créé. En fait, Adam, avant d'expérimenter la vie, il a d'abord connu la mort. Il était une âme morte. Et on comprend aussi cette parole dans Matthieu, dans Jean chapitre 12,
où le Seigneur disait au verset 24-25, « Si ce grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne peut produire des fruits. » Et Adam a reçu l'esprit de réveil, le Saint-Esprit et l'esprit de réveil. Il ne faut jamais, jamais l'oublier. C'est vraiment important. Je me rappelle quand je me suis converti réellement en 86. On était, à la base, on allait dans les églises traditionnelles. On était petits. C'était les églises, une église pentecôtiste. Ensuite, on était chez les baptistes. Et on servait Dieu. On voyait comment les réunions se déroulaient. Le pasteur qui était là, qui prêchait bien, cet homme. Il avait la connaissance, c'était un grand théologien que beaucoup de gens connaissaient. Il était respecté par beaucoup de pasteurs, d'autres pasteurs. Mais bizarrement, dans cette église, il n'y avait pas l'esprit de réveil. C'était une église pentecôtiste pourtant. Donc une église qui était censée vivre le réveil dans le quotidien. Mais il n'y avait pas le réveil. J'entends par là des conversions, parfois sans qu'il y ait prédication. Des gens simplement convaincus du péché par la présence de Dieu qui s'y trouvait. Et on était un groupe de jeunes enfants, et on aspirait à autre chose. On voulait expérimenter Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu qui se mouve, qui travaille, qui parle. Et on a commencé à se retrouver entre 3, 4, 5 personnes autour d'un frère qui, lui, vivait le réveil dans le quotidien. Il a commencé à nous donner des enseignements de base, à nous exhorter. C'était à l'époque ce qu'on appelle aujourd'hui les affermissements. Et j'attendais, je me rappelle bien, j'attendais la 8e leçon, c'était le Saint-Esprit. Parce que je voulais vivre une expérience avec le Saint-Esprit. Je savais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Parce que, étant chrétien religieux, ma chair était constamment assujettie, n'est-ce pas, au péché, aux choses du monde. Il n'y avait pas cette domination sur la chair. Et un jour, le Seigneur, justement dans sa grâce, nous a visités. Et on a commencé à expérimenter le réveil. Tous les jours, on se retrouvait pour prier entre 2 ou 3 frères. Et on était constamment plaqué au sol, et des prophéties, des paroles, des connaissances, des choses se manifestaient. Et on ne voulait plus se passer de cette présence lors des réunions des frères et sœurs d'église, dans ce groupe, justement, qu'on appelle à l'époque groupe de prière. Et on allait, on combinait l'église traditionnelle le dimanche, et la semaine, on allait dans ce groupe de prière. Et le pasteur de l'assemblée traditionnelle où on était a appris cela, a appris ces choses, et on a été chassés de là. Nous sommes allés dans une église baptiste, c'est encore pire, et on a commencé à organiser de nuits de prière, chose qui n'existait pas, et le Seigneur a commencé à donner des visions, des songes concernant l'état spirituel de cette assemblée, à quel point la sorcellerie était là, présente. Et il y a eu également des diacres qui ont commencé à être frappés par le Seigneur, parmi certains qui étaient sorciers. De même, hein, pareil, on a été exclus de cette assemblée. On se retrouvait avec ce frère qui nous enseignait. On était un peu partout, dans les rues, sur les marchés, pour annoncer l'évangile dans les hôpitaux. Et des guérisons s'opéraient, des miracles s'opéraient. Et comme on était petits, malheureusement, on est reparti dans le monde. Jusqu'à ce que le Seigneur, il y a quelques années, de nouveau, nous parle, me parle, pour me ramener à lui. En fait, quand on regarde l'état actuel de la plupart des assemblées, je veux dire visibles, connues, si nous sommes sincères, nous reconnaîtrons que, oui, la connaissance est là, parce que les baptistes ont la connaissance. Une connaissance des Écritures. Vous avez des grands théologiens, des grands enseignants. Mais il y a un problème de fond, c'est la vie. La vie de l'esprit. En fait,
Dieu a prévu que les réunions de chrétiens soient des réunions ou des réunions d'église, soient des réunions de réveil. En fait, lorsque deux ou trois s'assemblent, le Seigneur disait en mon nom, il est au milieu d'eux. Et nous sommes tous d'accord, frères et sœurs, que quand le Seigneur est quelque part, on ne force rien. Les choses coulent de source. On n'a même pas besoin de dire aux gens, levez-vous, nous allons chanter. Non! On n'a même pas de... Vous savez, les choses... Il y a un automatisme. Les choses se font naturellement. Et je me rappelle, en 1998, j'étais dans une assemblée, toujours une église de réveil. Ce pasteur était un apôtre qui craignait Dieu, qui aimait Dieu. Mais quelque chose, je sentais qu'il y avait quelque chose qui... Vous voyez, l'esprit de réveil, l'esprit de Dieu. Et il y avait une forme de monotonie. Et il y avait comme une espèce de lassitude dans mon cœur. Je me disais, Seigneur, mais ce n'est pas ce que je sens qu'il faut autre chose. Et ce pasteur, bien qu'étant apôtre, connaissant l'Évangile, j'ai eu à partager ces choses avec lui. Il n'a pas accepté de passer à autre chose. De vivre la vie du réveil de l'Esprit de Dieu dans le quotidien. Parce que vous savez, les habitudes, comme disent les Français, ont la peau dure. Il est beaucoup plus facile d'amener un inconverti à Dieu que quelqu'un qui a déjà la connaissance, quel qu'il soit, catholique, protestant, évangélique ou chrétien, indépendant, je ne sais pas. Alors, je suis parti de là. Et le Seigneur m'a dit, commence une église. J'ai commencé l'église en 99. Je me rappelle encore, les gens qui approchaient le bâtiment où on était, beaucoup tombaient dehors, saisis par la puissance de Dieu, et ils confessaient leurs péchés, ils écumaient dehors. On allait nous chercher à l'intérieur pour dire, il y a des gens qui sont dehors en train d'écumer. Et ceux qui venaient avec leurs péchés couraient. Ils ne voulaient pas rester sur place. Je me rappelle une fois, en plein enseignement, il y avait un démon que le Seigneur m'a montré. Je lui ai dit, tu sors au nom de Jésus-Christ. La baie vitrée, il y a une baie vitrée qui était là, elle s'est détachée. Elle est tombée sur la dame qui était possédée. Le démon est sorti. L'esprit de réveil. Mes amis, nous ne connaissons pas Dieu, moi le premier. Non. Je suis un homme insatisfait. Je n'ai même pas encore fait le dixième de ce que Dieu veut que je fasse. C'est-à-dire, je suis tout le temps insatisfait. J'ai envie de passer tout le temps à autre chose, de vivre Dieu autre. C'est-à-dire, comme je vous parle, j'ai hâte de passer encore à autre chose. Comme je dis souvent au frère d'Evry, il me reste 5 mois pour passer encore à autre chose. Je ne suis pas satisfait. Vous savez, je veux nous dire quelque chose encore par rapport à la vie de l'esprit, à l'esprit de réveil. Regardez quand Dieu a formé Adam. Il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait même pas s'occuper de ce jardin tant qu'il n'était pas réveillé. Vous savez, quand on parle du réveil, le réveil, ce n'est pas quelque chose qu'on a acquis déjà. C'est tous les jours. Il est dit dans Ésaïe 50 ici, l'Éternel éveille mon oreille. Éveiller ici, en hébreu, signifie littéralement réveiller. Et on retrouve à chaque fois dans le Tanakh que vous avez le mot réveiller, c'est ce terme-là. Se réveiller, ressusciter. Et ici, c'est Yeshua, c'est une prophétie relative à Christ dans Ésaïe 50. Et il dit que le Seigneur réveille son oreille chaque matin. Alors, pendant que j'étais là assis, Dieu me disait, tu sais qu'est-ce que ça signifie chaque matin? Pourquoi chaque matin? Il me parlait, il me disait,
dans 2 Pierre chapitre 1er, Pierre dit, jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Le soleil, Yeshua. Ça veut dire que, regardez quand il est à minuit, le sommeil en général devient profond. Imaginez vous dormez en plein air. À minuit, il n'y a pas de soleil, vous dormez profondément. Mais dès que le soleil commence à se lever et que ses rayons commencent à frapper votre visage, que vous le vouliez ou pas, vous allez vous réveiller. Donc, Dieu me disait que celui sur qui mon soleil ne se lève plus, il meurt, quoique vivant, sur le plan physique. Donc, chaque jour, quand on se retrouve dans nos assemblées pour la prière, le soleil doit se lever. Il faut qu'il y ait autre chose, tout le temps, le réveil perpétuel, tout le temps. C'est pour cela que le Seigneur a prévu les réunions d'église. Les réunions d'église, d'ecclésia, ce sont des réunions de réveil normales. Paul dit par exemple, regardez dans 1 Corinthiens 14, lorsqu'un inconverti vient chez vous et que tout le monde se met à prophétiser, les secrets de son cœur sont dévoilés, il dira Dieu est là. Vous voyez, non? C'est tous les jours. Pourquoi? Parce que l'homme a tendance à s'habituer aux choses, à s'endormir. C'est comme ça que la chair est. C'est cette faiblesse de la chair que nous avons tous. Quand Paul dit « exhortez-vous les uns les autres », c'est-à-dire littéralement « réveillez-vous les uns les autres ». Exhorter, c'est encourager. Ah ben là, je n'avais pas vu les choses comme ça. Ouh là là, là, j'ai compris. Vous ne voyez pas, Dieu nous éclaire tous les jours. Tous les jours. La connaissance, elle est progressive. C'est ça, l'esprit de réveil. Adam se réveille et il se met à travailler dans le jardin. Tous les jours. Et regardez comment les apôtres ont fonctionné. Ils étaient remplis de l'esprit dans Actes 2. Mais on arrive dans Actes 4, Actes 5, on nous dit que l'esprit va tomber encore sur eux, ils vont encore être remplis. Et d'ailleurs, il faut comprendre aussi quelque chose. En hébreu biblique, il n'y a pas de passé, présent, tout ça là. Ça n'existe. En fait, il n'y a pas de futur. C'est Dieu est. Le je suis, c'est il est là. Quand Dieu dit « je répandrai mon esprit », il veut dire que tant qu'on sera sur terre, avant que notre corps soit glorifié, il va continuellement répandre son esprit. Parce que s'il arrête un tout petit peu là, c'est fini. Vous comprenez? Regardez Élisée quand il a multiplié de l'huile. Il fallait que des vases soient constamment, qu'il y ait plusieurs vases. Et dès l'instant où il y a un vase, les vases ont manqué, l'huile s'est arrêtée. Le problème, quand l'huile s'arrête par rapport au réveil, c'est la religion qui s'installe. Ce sont les habitudes. Alléluia. Et chaque matin, Dieu va réveiller l'oreille du Messie, le Père. Yeshua, homme, j'entends par là bien sûr, parce qu'il est Dieu. Chaque matin, il nous réveille chaque matin. La preuve, chaque jour nous nous réveillons. Celui qui ne se réveille plus, qui ne vit plus le réveil, il est mort. Donc, nos réunions d'église sont des réunions de réveil. Alléluia. C'est normal. Le jour où tu ne seras plus réveillé par Dieu dans ta marche personnelle, tu mourras spirituellement. Il n'y aura plus rien. Et l'oreille doit être exercée à l'esprit du réveil. Pourquoi? L'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Le Seigneur dit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Regardez cette conduite-là, c'est la marche, comme les Hébreux dans le désert, de l'Égypte à Canaan. Mais tout au long de cette marche-là, il y a des niveaux, il y a des degrés, il y a des stations. Et à chaque niveau, Dieu nous réveille. Aujourd'hui, peut-être que tu t'habilles d'une certaine manière parce que tu n'as pas encore l'éclairage
Et demain, Dieu va te donner un éclairage nouveau. Tu vas te dire, waouh, comment j'ai pu faire ça hier? Comment n'ai-je pas vu cela? À qui cela arrive-t-il? Voyez? Donc, c'est chaque matin. Est-ce que vous pensez que celui ou celle qui marche dans l'esprit de réveil, l'ennemi va rester les bras croisés? Mais non. L'ennemi va l'agresser. Ce qui est tout à fait biblique. L'ennemi va l'attaquer. Je me rappelle quand on a quitté Évry, on arrive à Draveil. On est arrivé à Draveil. J'étais dans le bureau en train de m'apprêter, prier. Et l'esprit me dit, sors dehors. Je sors et je trouve juste à l'entrée du bâtiment deux jeunes femmes antillaises, païennes, invitées je ne sais pas par qui. Il y en a une qui essayait de réveiller l'autre, son amie, parce qu'elle était en train d'écumer. Parce qu'elle s'était approchée simplement du bâtiment. Elle écumait, les démons se manifestaient. Waouh ! Et je sors, et elle était en train d'appeler les pompiers en même temps. Je lui dis non, laisse tomber, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas une affaire des pompiers. Alléluia. Et on a chassé les démons au nom de Jésus-Christ. Et vous voyez, moi je ne sais pas. Si vous êtes satisfait de Dieu, moi je ne suis pas satisfait. Vous savez pourquoi les anges disent constamment saint, saint, saint? À chaque fois qu'ils disent cela, Dieu se révèle encore. Dieu se révèle encore. Ceux qui me disent, c'est quoi ton secret, frère? Je leur dis, je suis un insatisfait. Un insatisfait. Écoutez, frère, tu diriges une église de 700 personnes, Dieu te dit, laisse-la. Il y a une gloire, là. Il y a une gloire. 700 personnes, tout le temps, tu les croises, tu les vois chaque dimanche. Il me dit, quitte. Je ne voulais pas vraiment comprendre. Vous savez ce qu'il a fait? Il m'a donné un coup de pied dehors, derrière. Dehors, en plein hiver. Et je me disais, comment pourrais-je vivre sans ce lieu, sans ce bâtiment? Comment pourrais-je faire le ministère? Dieu, tu ne m'aimais pas parce que tu m'as mis dehors. Et ensuite, on arrive à Saint-Denis. Là-bas, il me dit, coupe cette assemblée en plusieurs morceaux. Et toi, retire-toi. Je dis, Seigneur, mais si j'ai plus de gens autour de moi, le ministère, je le fais comment? Je sors de là, je deviens l'apôtre des frères et sœurs. Tu vas dans le monde entier, voyager à gauche, à droite, tout ça là. Et à un moment donné, le Seigneur me dit, maintenant tu vas rassembler tout ce monde et leur donner officiellement l'autonomie. Toi, retire-toi complètement. Frère, tu vas dans le monde entier prêcher ici et là, tu as de 7000 euros en liquide, tout ça comme salaire pour une semaine de séminaire. Dieu dit, abandonne tout ça, arrête. Je veux t'amener encore à me rencontrer autrement. Et frère, il fallait obéir. En fait, je vous partage ça pour vous montrer que si vous restez à une station, le réveil, l'esprit du réveil va partir. Et quand on reste sur place, on met en place une organisation, on devient religieux. Je parle d'abord de votre vie personnelle, chez vous à la maison d'abord. Je rassemble les gens, je leur dis, écoutez, Dieu m'a dit que je me retire. Beaucoup ont pleuré. Papa, c'est grâce à toi. Quoi qu'aujourd'hui, il y en a qui disent, maintenant j'ai 5 villas, je ne sais pas, 10 villas, je ne sais pas. En fait, c'est des prophéties. J'attends qu'elles se réalisent. Voilà. Il faut le faire quand même, hein. Et ce qui est grave, ce que disait mon frère Benito tout à l'heure, c'est que beaucoup de chrétiens aussi croient à ces choses-là. C'est ça qui est grave. Parce que celui qui vit dans le réveil, dans l'esprit du réveil, Dieu lui dira. Jésus, on l'a traité de Belzébul, c'est-à-dire le diable. Est-ce que c'est pour autant qu'on ne le suit pas? Paul a dit, nous sommes au milieu d'une bonne et de la mauvaise réputation. Ton tour va venir. Aujourd'hui, c'est mon tour. Ton tour va arriver. Le jour où on va te traiter de Satan, de diable, tu vas voir comment, ce que ça fait là. C'est terrible. C'est normal pour celui qui veut marcher avec Dieu. C'est une vie normale. Les outrages, c'est écrit dans la Bible. Malheur à vous si tout le monde dit du bien de vous. C'est écrit, non? Mais voilà.
Waouh! Une parenthèse, je me rappelle, j'étais en Côte d'Ivoire en 2006, quelqu'un m'appelle pour me dire, tu sais que dans tout Paris, ici, tout le monde dit que tu as engrossé une femme. Et celui qui m'a appelé, je me rappelle, c'est un pasteur qui aujourd'hui fait n'importe quoi, lui aussi, parce qu'il avait cru. Je lui ai dit, ok, j'arrive, présentez-moi cet enfant. Parce que cet enfant apparemment me ressemblait, et sa mère qui est antillaise, son père est français, donc c'est-à-dire un petit métis. Et apparemment, mon épouse aurait demandé le divorce parce qu'elle aurait vu l'enfant. Donc, il n'y a pas de problème, j'arrive. Alors, j'arrive, je rentre de la Côte d'Ivoire, tout le monde me regardait hein, avec tristesse, du genre, oh, le pauvre, il est tombé, vraiment, c'est terrible. Comment faire pour le consoler? Ouh, Seigneur, c'est terrible. Hein? Les gens parlaient dans les salons de coiffure. Un pasteur a rencontré un frère, il lui dit, ouais, votre bishop, là aussi, est tombé comme tout le monde. Je ne suis pas un bishop. Il était content, ce pasteur. Ah, Seigneur, et qui c'est qui a raconté ces histoires-là? C'est une femme que j'ai eu à aider parce qu'elle voulait divorcer. Je lui ai dit, le divorce n'est pas dans la Bible, pas biblique. Elle est allée répandre cette rumeur-là, ce mensonge. Elle est revenue demander pardon publiquement. Je lui ai dit, je te pardonne. Donc, ça, depuis 2006, nous sommes en 2014. Donc, ça fait combien d'années? Ça fait au moins 8 ans. Donc, l'enfant, là, doit avoir 8 ans. J'attends toujours cet enfant. Alléluia! Je suis convaincu que bientôt, ils vont dire que je ne suis pas d'origine congolaise, mais d'origine suédoise, je crois. Tellement qu'ils ne savent plus quoi dire, honnêtement. Waouh! Soyez encouragés. Vous savez, votre tour aussi va arriver. Il faut se préparer, il faut s'y attendre. À chaque fois, je vois mon frère Benito, je lui dis, mais toi, ils n'ont pas encore commencé sur toi, là. C'est ça? Alléluia! La première fois que j'ai subi une grosse critique, c'était en 2000, je crois que c'était en 2000, en 99, 2001, non, 2000, ouais, en 2000. Et une sœur va raconter à tout le monde qu'elle m'a vu en vision, j'avais deux cornes. Ah, j'ai commencé à pleurer, je dis, Seigneur, j'ai deux cornes maintenant, c'est bizarre. Et Dieu me dit, tu es orgueilleux. Je dis, mais pourquoi? C'est moi qui souffre. Il dit, oui, parce que tu réagis comme un orgueilleux. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Et 10 ans après, la sœur reviendra, tu es vraiment un homme de Dieu. Ben, disons, entre-temps, les cornes se sont... Voilà. Alléluia. Le réveil. Dieu dit, rassemble tout le monde et donne-leur l'autonomie. Je leur ai dit, c'est fini, moi je me retire. Mais oui, mais comment on va faire? Je leur ai dit, comment vous faites? Avant qu'on se rencontre, vous faisiez comment? Avant qu'on ne se rencontre. Et je me retire et Dieu me dit, eh bien, commence des réunions à Évry. Vous voyez, il y a des étapes avec Dieu, de niveau, de palier. Et en fonction de ta fidélité, si tu es fidèle dans les petites choses, à chaque fois Dieu t'amène plus loin. C'est comme ça qu'il fonctionne. Alléluia. Mais si tu perds le réveil, tu laisses l'esprit de Dieu, l'esprit de feu, l'esprit de réveil, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te concorder un petit système là, et puis après c'est fini. Et là, je commence les réunions. Timidement, petit à petit, et le Seigneur commence à toucher, Ça fait 2 ans et 3 mois, là, aujourd'hui. 2 mois et 4 mois, 2 ans et 4 mois. Donc, qu'est-ce qui se passe? Par la grâce de Dieu, en 2 ans, il y a eu plus de 1000 baptêmes. Chaque samedi, il y a près de 30-40 baptêmes. Des fibromes qui disparaissent, des cancers qui disparaissent, des gens qui ont des poches, qui ont des cancers d'intestin, qui font leurs besoins dans les poches, prières. Parfois, on ne les touche pas. La présence de Dieu, ils sont tellement guéris que quand ils vont voir les médecins ne comprennent plus rien. Des cas, des maladies, toutes sortes de maladies incurables. Hépatite A, B, C, tout ça là. Et des gens qui viennent et qui disent, nous voulons nous convertir tout de suite. On a commencé à 16h30, au départ, le programme, à partir de 16h30. Et au fur et à mesure, on baisse, l'heure baissée. De 16h, c'est 14h. Et maintenant, les gens commencent à arriver à 9h, à 10h, d'autres la veille. Alors, certains qui ne comprennent pas le mouvement de l'esprit commencent à dire, c'est des idolâtries. Frère, pendant 3 ans, Paul
utilisé par Dieu dans la ville d'Éphèse, dans la ville de dans Éphèse, 3 ans de réveil à Éphèse. Les gens venus de partout. La Bible nous dit que les gens accouraient. Des conversions, des guérisons, des repentances. Je me rappelle encore, il y en a qui disaient, qui venaient, il faut que tu arrêtes là, parce que là, je leur dis, en fait, celui qui n'a pas une intimité avec Dieu, il va faire les choses en fonction de ce que les gens disent. Vous savez, Nathan était prophète. Il part voir David, il lui dit, Dieu avec toi, tu peux bâtir le temple. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu, pourtant Nathan était prophète. Vous savez pourquoi beaucoup échouent? Parce qu'au lieu d'écouter d'abord Dieu, dans ce qu'ils font pour Dieu, ils ont peur de ce que les uns et les autres vont dire. Et ils s'arrêtent et l'esprit de réveil se retire. Evan Roberts, un jeune homme de 25 ans. Dieu le suscite. Dans une époque où il y avait l'apostasie, où il n'y avait plus de messages, de messagers, Dieu le suscite, 25 ans, jeune. Il était entouré de quelques jeunes seulement. Un réveil qui commence à toucher le monde entier. Un couple d'un certain âge, chrétien, craignant Dieu, va voir ce jeune homme pour lui dire, tu sais, il y a trop l'idolâtrie, les gens sont tout le temps, machin, tu fais attention, tout. Retire-toi. Il s'est retiré une semaine seulement. Le réveil était éteint. Je veux nous dire ceci. Quand des gens me posent des questions, quels sont tes secrets, à part le fait de chercher toujours le Seigneur, de ne jamais être satisfait, c'est l'écoute. Je fais exactement, à moins que je ne saisisse pas vraiment. Ça arrive parfois, on ne comprend pas toujours sa volonté. Mais quand Dieu me parle clairement sur un sujet, je le fais. J'obéis. Quitte à perdre tout le monde. Quand il m'a dit donne l'autonomie, beaucoup n'ont pas voulu. J'ai perdu, comme vous le voyez. Je vous dis, je n'ai plus des pasteurs autour de moi. Ça n'existait plus. Non. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit obéis. Il y en a qui sont venus pour dire non, tu ne peux pas laisser les églises. Tu ne dois pas laisser les églises. Je leur ai dit, vous parlez. Est-ce que c'est Choron qui est mort à la croix pour ses âmes? Est-ce que c'est vous? Vous voulez que je reste votre apôtre pour que ce que Dieu fait avec moi attire les âmes dans vos boutiques? Et derrière, vous volez, vous couchez avec des femmes? Non! L'obéissance à ce que l'Esprit de Dieu te dit produira le feu dans ta vie, dans le quotidien. Mais s'il n'y a plus le feu, c'est qu'il n'y a plus l'obéissance. Mais tu gardes la connaissance. Frère, je voudrais encourager quelqu'un ici. Et maintenant, le Seigneur me met à cœur, me dit clairement, d'ici la fin de l'année, tu arrêtes, tu passes encore à autre chose. Je dis, waouh, là c'est beau. Mais j'aurais écouté les gens quand ils m'en parlaient avant novembre, parce que déjà, à partir d'octobre, juillet dernier, les gens commençaient à dire, non, il faut, pas de cette année, l'année dernière, il faut arrêter, il faut passer à autre chose, les gens sont machin, tout ça, il y a beaucoup de... Imaginez si j'avais dit oui à ces gens. Vous pensez que Dieu m'aurait dit de faire la révision de la Bible? Non. Voyez comment on peut passer à côté de sa mission, parce que ton oreille n'est pas réveillée chaque matin par l'esprit de réveil pour écouter chaque jour sa volonté. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Et c'est valable pour tout le monde, même par rapport au mariage, par rapport au choix de vos conjoints, vos conjointes. Il faut que ton oreille soit réveillée, faire exactement ce que Dieu dit. Même si tout le monde dit que cette femme n'est pas la tienne, mais si Dieu dit c'est elle, il faut rester en prière. Parce que si tu épouses quelqu'un d'autre, ça serait une carie pour toi, pour ton ministère, pour ta vie chrétienne. Imaginez, j'aurais dit, oui, j'arrête.
pour vous suivre, parce que j'ai peur effectivement d'aller en enfer, parce que je ne comprends plus, les gens débarquent n'importe comment. Imaginez, vous savez quoi? On n'aurait pas pu acquérir ces locaux pour TV de vie en un an, comme Dieu nous a donné 201 000 euros. L'obéissance. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu te dit? Quelle est la pensée de Dieu pour toi en ce temps? Vous savez, effectivement, nous sommes dans les temps derniers. Nous sommes dans une saison où il n'y a plus la parole, où il y a tellement l'apostasie. C'est la confusion. Vous savez, Babylone, c'est quoi? Babylone, c'est le mélange par la confusion. Effectivement, on parle du net. Il y a de tout et de rien. C'est devenu je ne sais pas quoi. Des impudiques, des voleurs que j'ai connus, que j'ai formés hier, qui prêchaient, soi-disant. Mais on voit, ils ont volé, ils ont touché aux femmes. Frère, j'ai des preuves. Si je devais vraiment faire des émissions pour diffuser toutes ces preuves-là, alors je laisse plutôt Dieu faire les choses. Je me rappelle même, certains frères me disaient, mais il faut les dénoncer, c'est leur nom ouvertement. Je dis non, parce que comme certains, c'est moi qui les ai formés, là, sinon ils vont dire que j'ai quelque chose contre eux. Je laisse le peuple, je laisse Dieu les dévoiler et les enfants de Dieu verront leurs fruits. Je vous dis. C'est terrible, l'heure est grave. Dieu dit à Déborah dans Juges 5, 12, réveille-toi Déborah, c'est un cantique, le cantique de Déborah, réveille-toi. Vous savez pourquoi? Parce que c'était une époque où les chefs, les gens étaient complètement dormis, c'était la mort, chacun s'occupait de ses affaires. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement, chaque pasteur pratiquement s'occupe de ses affaires, c'est les entreprises, tout ça, la gauche à droite, tout ça, comment faire pour avoir l'argent, comment faire pour avoir des connexions à gauche à droite, c'est ça que les gens veulent. Il faut le réveil. Vous savez, j'ai une vision cette semaine-là, je dormais, j'ai vu plusieurs horloges, il y en a une qui m'a attiré, je me suis approché d'elle et j'ai vu qu'il était minuit moins 5, et ensuite minuit moins 3. Et j'ai vu des anges descendre du ciel, c'était ce lundi, et j'ai vu le Seigneur par la suite descendre, c'était le retour du maître. Et quand je me suis réveillé, le Seigneur m'a dit, il est minuit moins 3. Et vous savez pourquoi minuit? Dieu me dit, il faut en parler de plus en plus, parce que justement, selon Matthieu 25, Yeshua va revenir à minuit. C'est à minuit qu'on va commencer à crier davantage. Réveillez-vous, voici l'époux, réveillez-vous. Mais c'est le message là, il faut que nos maisons se réveillent. Et ce n'est pas une seule fois, et puis on se dit, je suis réveillé, c'est fini. Celui qui dit qu'il est réveillé, c'est fini pour lui, il va faire passer à autre chose, c'est qu'il n'a pas compris. C'est tous les jours que Dieu veut nous délivrer, tous les jours qu'il... Vous savez, il y a trois types de délivrance. Nous sommes délivrés par la foi lors de la conversion, tous les jours nous sommes délivrés par les tentations, les flèches qui nous sont balancées, Dieu nous protège, nous sauve. Et nous serons délivrés, sauvés lors de son retour. Donc celui qui dit que moi je suis réveillé, c'est fini, je m'arrête là, tu n'as rien compris. Quand vous vous retrouvez ici chaque matin, c'est pour vous réveiller. C'est derrière le réveil, vous venez une prophétie, parole de connaissance là-bas, des interprétations, des exhortations, comme c'est le cas. Les gens sont réveillés, ils repartent dehors pour aller réveiller les morts. C'est ça le message, frères et sœurs. Il faut qu'on comprenne les choses de l'esprit. Sinon, là, mes amis, là, on va faire comme le fils prodigue, il a pris sa part, il dit, moi je suis réveillé, je m'en vais loin pour manger avec les prostituées, faire avec... Vous voyez, c'est ça là, c'est grave. Tous les jours. Oh Dieu! Je me rappelle une fois, le Seigneur m'a amené sur une haute montagne. Il m'a visité par la suite, j'étais sur la montagne. Il m'a dit, vous allez vivre un puissant réveil. Frère, regardez à chaque fois que l'esprit de réveil était éteint, comme les sept lampes étaient éteintes en Israël, dans Chronique. À chaque fois qu'il y a eu, n'est-ce pas, à chaque fois que la lumière était éteinte, regardez l'apostasie. Où sont les messagers? Il y en a très peu aujourd'hui. Où sont-ils? Hier, une femme est venue à la prière. Elle m'amène sa fille de 17 ans. Elle me dit, ma fille est violée à chaque fois par un démon, toutes les nuits. Je prie pour le nom Yeshua, elle tombe, le démon s'en va. Le Seigneur me montre qu'il y avait deux démons qui l'a violée. Et elle me dit à la fin, cette dame, qu'elle amène son enfant chez son pasteur, dans leur église habituelle, normale. Et le pasteur lui dit, il faut me donner 100 € pour la prière et deux pannes avant de faire la prière. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Les pasteurs, ils ne sont pas exemplaires. Le programme commence à 10h, ils arrivent à 11h. Vous continuez à prier là-dedans, là, vous pensez qu'il est de Dieu? Mais ce n'est pas de Dieu. C'est un religieux. Il a la connaissance, il parle bien, mais il n'y a pas l'esprit du réveil.
Parce que celui qui a l'Esprit de Dieu te réveille, il t'amène à la connaissance. Voilà, je suis fatigué. Je dis aux frères à sa Paris, il vous reste 5 mois là. 5 mois, je passe encore autre chose. J'ai envie de découvrir autre chose. Il dit, mais tu passes tout ça là, ça c'est rien encore là. Ça, c'est que des miettes, tout ça, là, frères et sœurs. Moi là, Dieu, ce que Dieu m'a montré, ce que Dieu me montre, là, frères et sœurs, quand on voit les hommes de réveil comme Paul, frères et sœurs, Paul arrive dans une ville, toute la ville a été secouée, frères et sœurs. Il nous faut de tels messagers, il nous faut des gens, des femmes de feu, des hommes de feu, des hommes qui en ont assez, qui veulent goûter autre chose, vivre autre chose, frères et sœurs. Il nous faut le feu du réveil, frères et sœurs. Chalala. Cette génération a besoin de révolutionnaires, frères et sœurs. Tu vois, des gens qui ne sont pas satisfaits, qui sont prêts à tout abandonner, à tout laisser. Tout ce qu'ils ont construit pendant 20 ans, ils disent aux gens, j'arrête, je veux découvrir encore Dieu autrement. On se fait du bien, on se congratule, on est entre nous, ça nous encourage, tout ça, machin, tout ça, là, frère. Je dis, frère, je veux autre chose. Je veux vivre Dieu. Je ne suis pas satisfait. Je disais à mon frère qui est là, mon beau-frère, je disais, c'est que maintenant que je commence à connaître Dieu, toutes ces 28 ans dans les églises, là, tout ça, c'est rien, c'est zéro. C'est comme si je veux me le convertir là aujourd'hui. C'est comme si je veux commencer le ministère aujourd'hui, frères et sœurs. Il faut autre chose. Si tu te contentes de ce que tu as aujourd'hui, là, mes amis, là, tu vas faire comme Nebuchadnezzar. N'est-ce pas moi qui ai bâti tout ça, là, c'est fini après. Là. Il ne faut rien voir. Il faut voir seulement le maître, il y a un choix. Plus tu le verras, plus tu désireras ces multiples facettes, frères et sœurs. C'est ça le message, c'est ça l'évangile, frères et sœurs. Oh, ma soeur, je ne t'ai pas vu dimanche, tu étais où? Mais tu sais que peut-être qu'elle veut découvrir quelque chose. Tu n'as pas répondu à l'appel, mais il y a quelque chose là. Chou, Seigneur mon Dieu. Waouh! Philippe arrive dans la Samarie, il y avait un puissant réveil. La parole, oh frère, moi je ne sais pas, je crois en ce livre-là. Tout ce que je lis, je dis, c'est vrai. Il y a des ministères d'étonnement aujourd'hui. C'est tout. Tout ce qu'ils font, c'est étonner les gens. Ouais, ils parlent bien, il y a tout ça. Mais c'est les 6 mots des magiciens, là, tout ça. Voilà pourquoi ils vous réclament l'argent pour la prière. Il faut des Philippe. Des gens qui arrivent comme ça dans la Samarie. La Bible dit que celui qui étonnait les gens fut lui-même étonné. Lorsqu'ils virent les choses qui se passaient. Frère, quand Dieu arrive quelque part, il y a des choses qui se passent. Quand Dieu arrive quelque part, les gens sont, ils ne peuvent plus s'asseoir normalement. Il y a quelque chose qui se passe. Leur vie, leur frère, vous croyez quoi? Ouh, Seigneur mon Dieu. Mais regardez, après le réveil, Philippe était assis. Après un tel réveil dans la Samarie, des grandes conversions, des grands miracles. Philippe était assis. Et il fallait un ange de nouveau pour lui dire, lève-toi. Descends. Descends dans tel chemin. Là. Le Seigneur. Je pleure tout le jour. Le Seigneur, je ne suis pas satisfait. Qu'est-ce qui m'arrive là? Tu donnes 201 000 euros en un an. On achète 100 crédits. Mais je ne suis pas satisfait. Le projet de la Bible n'est pas encore fini. On a presque fini, mais je ne suis pas satisfait. Il faut autre chose. C'est comme si tu étais toute enceinte. Tu donnes naissance à un enfant, il faut encore des jumeaux. Tu donnes naissance à des jumeaux, il faut encore des quadruples. Tu donnes naissance à des quadruples, il faut encore des dizaines et des dizaines, frères et sœurs. Le réveil de Dieu, quand l'Esprit de Dieu te saisit, oh Seigneur, chaque matin, le Seigneur a dit quoi? Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, donne-nous notre pain annuel pour qu'on s'endorme. Non! Donne-nous notre pain quotidien. Chaque matin, je dois être réveillé, frères et sœurs. On criait, voici l'époux. Tout, c'était réveillé, tout, frères et sœurs. Mais il y a une différence. Deux réveils. Un, de l'apostasie. Et un autre, il a dit quoi? Les deux semences, il faut les laisser croître ensemble.
lorsque le blé a cru, et livré aussi. Oui, c'est les deux réveils qui vont se côtoyer. D'un côté, les gens vont te critiquer de plus en plus, mais de l'autre, Dieu va démontrer sa puissance, frères et sœurs. Alléluia. Oh, mais c'est magnifique, frères et sœurs. Plus on t'attaque, plus Dieu s'excite en toi. Plus on te combat, plus Dieu se manifeste, frères et sœurs. Plus les armes sont braquées sur toi, plus Dieu te donne l'armure du combattant. Oh! Mais vous savez, je vais vous dire une chose. S'il n'y a pas la guerre, là, on va s'ennuyer. Vous savez, un jour, une pensée m'est venue. Pourquoi beaucoup d'Africains font des enfants, beaucoup d'enfants par rapport aux Européens? Parce qu'il y a moins de distractions chez nous. Alléluia! C'est leur seule occupation. 6 mois après, un deuxième. Ils ne partent jamais en vacances. Alléluia! C'est rare. Mais si tu vis Dieu tous les jours, frère, tu es occupé par la présence de Dieu, par la gloire de Dieu, le nom le plus beau, Wow! Il y a quelque chose ici, là, je vous dis au nom de Yeshua. Il y a quelque chose ici, frère. Il y a quelque chose ici. Voici l'esprit! Il y a quelque chose ici. La nuée de Dieu. Le feu du réveil. Chal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 
Je suis en train de te guiser, de te préparer, de te demander pour que ma gloire éclate. Jesus Christ. Voici la présence de Dieu sur toi. Voici la présence de Dieu sur toi. Tu as pleuré pour ta famille. Dieu va la convertir. Dieu va la convertir. Dieu va toucher ta famille. Voici le feu. Voici l'onction du réveil. Tu ne peux plus t'asseoir normalement parce que Dieu t'enflamme. Dieu te met dans un feu. Il te baptise dans le feu. Ces visions que je te donne, ces songes que je te donne, c'est pour avertir, c'est pour parler, c'est pour réveiller mon peuple. Oh Dieu d'Israël, oh Dieu d'Israël, Dieu des armées. Dieu dit, ces rencontres sont des rencontres d'entraînement pour mes soldats et mes soldates. C'est comme ça que je vous entraîne. Il vous rassemble, il vous guérit, il nous restaure afin d'aller affronter le monde. Les impies. Les impies. Tu verras la conversion de ta famille, de tes sœurs. Toi qui as pleuré ma fille, je toucherai tes sœurs. Je toucherai même ton père que tu ne vois pas. Je le toucherai. Je le changerai. Car j'ai exaucé ta prière. J'entends tes prières. Je te connais mieux que tu le penses. Je te connais mieux que tu le crois. Toutes ces pensées de peur, toutes ces pensées de doute, Dieu te dit, je les balais. Je les balais, ma fille. Cette maladie qui te ronge, je la brise. Dans ta vie, je la renverse. Je la renverse. Ces maux de ventre, ces maux de dos depuis des années, je t'en guéris. Ce problème de diabète, je t'en guéris. Ce problème de diabète, je t'en guéris. Le Seigneur te dit, je te guéris de ce mal. Je te guéris, ma fille. Oh Dieu d'Israël, chaque matin, Dieu te donnera une mission à faire. Chaque matin à ton réveil, il va te parler. Chaque matin, chaque matin. Vous savez, les trompettes étaient sonnées. Ceux qui faisaient retentir le chauffard, c'étaient les sacrificateurs et les anges, les messagers. Et Dieu te prépare pour être son messager, sa messagère. Voilà pourquoi tu subis toutes ces attaques. Il te prépare. Il te prépare, jeune homme. Il te prépare. Cette cruche d'eau, tu l'as. Tu l'as. Tu voudrais te cacher, mais tu ne pourras pas te cacher. Parce que Dieu enverra des gens pour te parler, pour recevoir de toi. Les gens ont soif. Ils ont soif. Ils ont soif. Oh Dieu d'Israël, magnifique est ton nom, Seigneur. Magnifique est ton nom, Papa. Gloire à ton nom, Père. Une femme souffre terriblement du dos. Que Dieu guérit. Que Dieu guérit. Au nom de Yeshua. Le Seigneur a dit, plus le jour approche, plus son peuple sera persécuté, rejeté. Plus le jour approche, plus Dieu va t'imposer la solitude. Tu ne voudras plus te contenter de réunions habituelles. Des fleuves d'eau vive couleront, se déverseront sur toi. Sur toi, ma fille. Oui. Des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. Élie était seul, mais quelle autorité. Michée était seul,
Mais quelle autorité? Esaïe était seul. Mais quelle autorité sur sa vie? Dieu t'impose la solitude. Tu ne le veux pas, mais à chaque fois, les gens te créent des problèmes. C'est Dieu qui t'impose cela. Il le sait. Il t'impose cela. Dans ta ville, tu seras seul. Marchant à contre-courant, à contre-vent. C'est Dieu qui le fait. Tu peux être avec 1000 personnes, pourtant tu te sens seul. Tu ne comprends pas pourquoi. C'est le temps de la solitude. Dieu te l'impose. Je parle à quelqu'un ici. Au nom de Yeshua. C'est dans ce désert solitaire que je veux te façonner encore, en profondeur. Fils, c'est dans ce désert solitaire que je veux travailler ton âme. Mon fils, que j'aime. Tu ne vas même plus gérer tes pensées, tes émotions, tellement que Dieu va te saisir. Tu ne pourras même plus résister. Et toutes ces choses que tu aimais seront de la boue devant toi à cause de la révélation de Yeshua. Et quand les vierges s'étaient réveillées, elles se sont rendues compte qu'il fallait alimenter leurs lampes avec de l'huile. Elles ont préparé leurs lampes. C'est la restauration, le retour à la parole pure, à la parole véritable. C'est à cela que Dieu nous appelle. Le Seigneur parle à une personne ici, ton médecin t'a condamné. Le Seigneur te sort de la condamnation. Je parle à une femme ici. Ton médecin t'a condamné, ma fille. Je te sors de là. Dieu te dit, tu vas repartir voir le même médecin. Le même. Chaque matin, il t'appelle. Chaque matin, il t'appelle. Chaque matin, il t'appelle le maître. Chaque matin. Chaque matin. Pour vous encourager, frère, ne laissez personne vous minimiser. Ni Satan, ni les démons, ni les hommes, personne. Personne. Demandez constamment, régulièrement au Seigneur ce qu'il attend de vous. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Et s'il ne vous le dit pas tout de suite, continuez à prier dans ce sens, il vous le dira. Amen. Père, qu'est-ce que tu attends de moi? Avant de finir, je voudrais vraiment que vous compreniez de la part du Seigneur que notre Père, Yeshua, le Messie, notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, est le Dieu des saisons. D'accord? Il faut le comprendre. Si cette saison, la saison dans laquelle tu es fini, il faut passer à autre chose. Sinon, c'est la mort. Et parfois, ce qui nous tue, c'est les sentiments. On est lié, attaché aux uns aux autres sentimentalement. Alors qu'on sent qu'il y a autre chose qui brûle. Autre chose. Un feu.
quelle est ta saison. Mais de manière globale, la saison dans laquelle nous sommes présentement, c'est la saison du réveil, parce qu'il est presque minuit. Nous devons nous réveiller. Paul dit, vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin. Il parlait aux chrétiens. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. D'accord? C'est important. Important. Le réveil, on se retrouve là. Quelqu'un peut entonner un cantique là-bas. On peut partager quelque chose. Des frères qui témoignent. Des sœurs qui témoignent. Une parole prophétique là-bas. Le réveil, on arrive. On ne sait même pas comment ça va se dérouler, comment ça va se passer. Et Dieu conduit ces choses. On peut commencer même par le baptême, tout de suite. On peut commencer par, je ne sais pas comment Dieu peut... Seigneur, ça peut amener un désordre selon les hommes, mais c'est le programme de Dieu. Alléluia. Et c'est beau. C'est beau. C'est magnifique. On est fortifié, encouragé. Encouragé. Je veux rapidement vous raconter cette vision que j'ai eue encore il y a 2 ans et demi, qui confirme vraiment que le maître n'est plus loin. Quand cet ange m'a amené dans le Saint de Saints au ciel, je me suis retrouvé plaqué au sol, au pied de l'arbre de vie. Il y avait comme un... Ce lieu était... Dans ce lieu où j'étais, il n'y avait que les archanges. Ils étaient tous habillés en longues robes et des sandalettes, hein, de sandales. Et ils étaient tous en train de faire quelque chose. Il y avait comme... Personne ne chômait. Ils s'activaient à faire des choses et j'étais là. Je regardais d'abord cet arbre énorme qui était là. Et ensuite, j'ai vu que les autres anges n'étaient pas à ce lieu. Ils étaient un peu plus loin, mais à cet endroit-là, ils étaient nombreux, que les chefs. Et j'ai vu plus loin l'ange Michaël, l'archange Michaël. Je n'ai pas pu m'approcher de lui. Et je me retrouve en face d'un ange qui faisait entre 20 et 25 ans. Et je commence à parler avec lui. Et dans mon esprit, j'ai connu aussitôt que c'était l'ange Gabriel. Et je lui posais des questions. Qui sont ceux qui s'occupent? Je lui disais, qui s'occupe de tous ces ustensiles? Vous aviez tous les ustensiles du temple qui étaient là? Et il me répondait, c'est nous. Je lui posais des questions et il me répondait. Ensuite, il avait une autre remplie d'eau, donc la cruche. Il l'a ouverte et il m'a fait boire de l'eau. Ça m'a fait du bien, cette exhortation-là. Et j'ai bu, je buvais, j'étais comme ça, je me disais, je vais tout boire. Alors je me suis accroupi comme ça, j'ai ouvert grandement ma bouche, je buvais. Et il avait des yeux qui brillaient. Et je me disais, mais la Bible parle de l'ange Gabriel, je pensais qu'il était vieux, c'est un jeune homme. Et ensuite, j'ai entendu un ange parler dans une langue inconnue. J'ai reçu l'interprétation, ça disait, Jésus revient, c'est une réalité. J'ai compris en fait que tous les archanges au ciel s'activent actuellement pour le retour du maître. Et quand j'ai eu cette deuxième vision par rapport à l'horloge, qu'il était presque minuit, frères et sœurs, et que j'ai vu le Seigneur descendre avec des anges, je vous en supplie, le Seigneur est de plus loin. S'il peut demander aux gens comme nous de faire la révision de la Bible, alors que je n'ai même pas mon brevet de 3e. Et qu'en 7 mois, il nous a donné 96 000 950 euros. Plus de 13, on a 13 500 euros de plus par rapport à la somme dont on a besoin réellement pour diffuser, pour imprimer 10 000 exemplaires. Si Dieu fait de telles choses, chrétiens, s'il vous plaît, ayons l'intelligence pour comprendre ce que Dieu fait. Ce qui n'est plus loin, le Seigneur. Et en travaillant cette révision, on découvre des choses. On se dit, Seigneur, mais tout ça a été comme caché. Mais comment cela est-il possible?
on saute à chaque fois, on se dit, mais ce n'est pas possible, Seigneur. Mais chaque jour, on se dit, on comprend pourquoi Dieu a demandé ça. Mais c'est impressionnant. Il n'est plus loin. Il n'est plus loin. C'est pour cela, les églises où la vérité est prêchée ne doivent en aucun cas, comme cette vidéo va être diffusée, retenir les frères et sœurs. Les empêcher d'aller voir un peu ici et là. Parce que les enfants de Dieu, le Seigneur a dit, personne ne se perdra. Parce que le Père le tient dans sa main, frères et sœurs. Je ne m'inquiète pas. Que les gens nous critiquent, qu'ils me critiquent, qu'ils critiquent mon frère Benito et d'autres. Frères, ici et là, mon frère, patience. Je n'ai aucune crainte parce que l'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, frères et sœurs. Le témoignage de Dieu est plus important que celui des hommes. Et c'est ça qui nous maintient dans la vérité, dans l'assurance. Et c'est beau. Le Maître n'est plus loin. Nous allons passer l'éternité dans ses bras, dans son jardin d'amour. L'éternité avec Yeshua. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Les saints de Chartres qui se sanctifient réellement lorsque la trompette va retentir, frères et sœurs. Imaginez quand on va monter. Je regarderai à ma gauche. Ah, tiens, mon frère est là. Tiens, ma sœur qui est là. Alléluia, gloire à Dieu. On monte, on monte, on monte. Fini les pleurs. Fini les critiques. Fini mes amis YouTube, tout ça là. Fini Dailymotion. Frère, là-haut, pendant l'éternité, on va manger de grosses pommes au ciel. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer Jésus le plus beau, l'homme de gloire? Alléluia! Soyez bénis, bénis, bénis!